Bonjour à tous et à toutes. Je reviens de Vichy, où on s'est promené une partie de l'après-midi. Et il y a peut-être un petit déclic qui s'est fait dans cette ville que je trouve absolument fascinante par certains côtés. Une fascination d'ailleurs que je trouve mortuaire. Mais on a l'impression de se diriger vers l'au-delà, mais un au-delà vraiment agréable et paisible. Un peu comme le requiem de Forêt ou celui de Duruflé. Voilà, donc, et j'ai pris de nouvelles décisions par rapport à ce que sera la suite de ma vie. Voilà. Déjà, je vais cesser de parler de mes pervers narcissiques ou du moins des personnes manipulatrices et pénibles que j'aurais pu rencontrer dans ma vie. Puisque certaines ne sont peut-être pas des PN, d'autres sont peut-être de simples manipulateurs, d'autres, j'ai envie de dire, de simples homos refoulés, etc., etc. En tout cas, c'était des personnes qui m'ont fait réfléchir à un moment donné, qui ont suscité mon inspiration, c'est vrai, mais souvent quand même, ces relations se sont révélées lourdes et décevantes, et là, je crois que j'en ai un peu assez, donc je n'en parlerai plus. En revanche, je vais travailler toujours sur la thématique, mais de façon plus théorique, avec la lecture d'ouvrages notamment, et je vous présenterai des vidéos plus détachées de mon vécu, de ce que j'ai pu subir et qui m'aura apporté quelque chose ou pas, d'ailleurs, ça dépend. Et de toute façon, même si ces chers manipulateurs, ces chères personnes toxiques plutôt, voilà, je crois que c'est le mot le plus adéquat, l'expression la plus adéquate, m'ont apporté de l'inspiration. Le problème, c'est que j'ai tellement d'inspiration, tellement de thèmes à traiter, à mon humble niveau évidemment, que toute ma vie n'y suffira pas. Donc il faudrait que je vive à peu près 200 ans, compte tenu de toutes les lettres que je dois exploiter, de tous les livres que j'ai envie d'écrire, tous les romans, toutes les nouvelles, tous les albums de photos anciennes, etc., etc. Voilà, donc j'ai assez d'inspiration. Et je suis comme certains médecins qui sont absolument saturés de clients, je ne prends plus de nouveaux patients, plus de nouveaux pervers, non, c'est fini. Et je crois que je rechuterai peut-être, hein. Je vais peut-être rechuter et rencontrer à nouveau des personnes nocives, pas forcément perverses d'ailleurs, mais pénibles, pénibles dans le sens des gens qui vous prennent de votre énergie sans rien vous donner en échange. Je crois que c'est ça, hein. Et effectivement, l'expression pervers narcissique n'est peut-être pas adéquate, et il faudrait peut-être, à l'image d'Isabelle Nasaraga, utiliser le terme manipulateur, ou personne nocive, ou personne toxique. Ça serait beaucoup plus efficace, je pense, auprès du grand public et auprès des tribunaux, qui ne ricaneraient plus, je pense, hein. Voilà. Il faut peut-être plus se fixer sur les actes concrets et les conséquences concrètes sur les victimes, plutôt que de les qualifier de façon finalement folklorique, et ça évoque pour le grand public pervers narcissique, on a l'impression d'une sorte de bel-âtre qui est obsédé sexuel. Enfin, c'est vrai que pour le grand public, je ne suis pas sûr que ça évoque grand-chose. Hein, voilà. Donc je traiterai malgré tout des aspects théoriques par rapport à ces personnes, sans plus me référer à ce que j'ai pu vivre, puisque les miens en plus sont des manipulateurs bas de gamme, j'ai l'impression, finalement. Je disais qu'ils étaient haut de gamme, mais je me demande s'ils étaient si bien que ça par rapport à ceux dont vous me parlez, qui me paraissent plus intéressants. Donc, je sais que je vais encore en avoir qui vont se diriger vers moi, qui vont me proposer leur candidature, qui vont me vouloir comme patient, comme si j'étais un médecin, en quelque sorte, mais très vite, je laisserai tomber. Hein. Ça ne me fera plus rêver, ça ne me fera plus fantasmer, parce qu'il y avait de ça, je pense, hein, tout ce que les pervers nous présentent sur un superbe plateau, ce sont nos rêves, nous parlons de nous finalement, nous rêvons à nous, nous sommes aussi nous égocentriques par certains côtés, du moins moi je le suis, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, je crois qu'au bout d'un moment on arrive un peu à saturation et on ne baisse pas les bras. Moi, je baisse les bras pour moi. Je dis, bon, ils vont venir, je les repousserai. Bon, ils me donneront rendez-vous. Je dirai au rendez-vous. S'ils ne viennent pas, ben, ils ne viendront pas et je ne relancerai pas. Voilà.
J'en ai eu tellement eu de cas pénibles et des gens qui n'étaient pas forcément des pervers narcissiques qui m'ont fait perdre un temps incroyable avec leur balivernes. Bon, voilà. Et le temps que j'ai perdu par rapport à l'inspiration que ça a pu susciter, au rêve que ça a pu susciter, je ne sais pas si on pèse l'un et l'autre, si la balance va être. Va se soulever d'un côté plutôt que de l'autre, je n'ignore, je ne sais même pas. En tout cas, je n'ai plus envie d'en parler. Et d'ailleurs, là, j'explique que je n'en parle plus, mais je n'évoque plus personne. Vous l'aurez remarqué, vous verrez dans les prochaines vidéos, je ne ferai plus d'allusion directe à ces gens. Par contre, j'ai remarqué une chose intéressante. C'est qu'il y a de nombreux témoignages très complets, parfois qui figurent sous les vidéos que j'ai proposées, et je vous propose de les recopier, de les remanier un tout petit peu, quoi, pour les rendre parfois plus cohérents, plus clairs, et de les publier tout simplement avec votre pseudo, sans pseudo, comme vous voulez. Moi, je suis tout à fait prêt à publier ce volume, ce petit volume de témoignages. Sur lulu.com, par exemple, là où je publie mes livres et où ils se vendent de temps en temps d'ailleurs directement, ou alors en e-book hein, sur Amazon. Je sais que ce n'est pas très moral, Amazon, mais ça la permet d'obtenir des lecteurs dans le monde entier. Et pour trois fois rien, évidemment, on ne gagne rien avec ça. Hein. Mais de toute façon, c'est ce que je vais vous proposer si vous êtes d'accord. Par contre, il faudrait que je puisse mettre sur une clé l'ensemble des témoignages que j'ai obtenus depuis le début depuis le moment où j'ai commencé à faire ces vidéos. Et de toute façon, même si les gens ne sont pas forcément d'accord, je mettrai un pseudo ou je ne mettrai rien, donc vous ne risquez absolument rien. Hein. Mais je voudrais le faire. Hein. Ceux qui vraiment seraient opposés, dites-le moi, mais de toute façon, j'ai envie de dire, en changeant les noms, en changeant ou les noms cités, il n'y a pas de problème. Je sais qu'Isabelle Nasaraga, dans ses ouvrages, reproduit des situations réelles vécues en changeant les noms. Elle met un autre prénom et je suppose que si la personne est dentiste, elle devient médecin, etc. Enfin, il y a peut-être des petits changements comme ça, mais de toute façon, j'ai cru reconnaître plein de personnes nocives que j'ai pu rencontrer en lisant vos témoignages, alors que ce n'étaient pas ces personnes. C'est qu'en fait, tout le monde se ressemble, on est tous dans la même galère, j'ai envie de dire. Voilà, donc depuis 2019, j'ai déjà publié deux livres, deux opuscules, je vous en ai parlé peut-être dans une autre vidéo. Un livre sur la correspondance entre une mère de famille qui habite Théier dans le Puy-de-Dôme et sa fille qui travaille au Mont d'Or pendant environ 2 mois en 1950. Et j'ai publié également quelques lettres et je les ai commentées, largement commentées, avec l'aide d'un historien, notamment pour la partie Esprit des Mortemart. Il s'agit de la duchesse Valentine Pozzo di Borgo. C'est la première duchesse Pozzo di Borgo qui écrit à son neveu le comte Humbert de Marcieux. Mon prochain livre de l'année, ça sera peut-être une grosse nouvelle, enfin la première partie d'un thriller nouvelle, La Maison au bord du ciel, et après un ouvrage sur le coutelier qui a habité et fait construire la maison que nous habitons actuellement et qui est une maison assez remarquable. Bon, je m'en vante, mais après tout, pourquoi en avoir honte? C'est une maison absolument magnifiquement située. Il doit y avoir assez peu en France qui sont situés de cette manière. Hein, voilà. Donc ça va rendre jaloux des PN qui vont se dire, celui-là, ça y est, ils vont en jeter plein la vue. Mais c'est fait pour. Hein. Et d'autre part, d'ailleurs, il y a une remarque désagréable d'une personne un peu toxique qui a commencé par me couvrir de louanges d'ailleurs, et qui se plaignait que j'avais trop de groupies en gros. Ils sont jaloux, hein. Ils sont jaloux de rien, ces pervers, vraiment. Je ne dis pas que c'est rien d'avoir des témoignages, mais elle pourrait en avoir autant que moi si elle était dans une optique un peu plus positif, je n'aime pas trop ce terme, un peu plus gentil. Voilà. Voilà, donc je continue mes vidéos sur la perversion narcissique, ou du moins sur les personnes nocives, mais je ne fais plus appel à mes propres témoignages, je suis lassée de tout ça. Je ne prends plus de nouveaux clients, hein. Non, non. Comme les médecins, justement à Thiers, ils ne prennent plus de nouveaux patients,
c'est embêtant, mais moi je n'en prends plus, je ne peux plus, là je suis arrivée à saturation. Je l'ai compris aujourd'hui, c'est marrant, je crois que c'est cette lombalgie et ce voyage, enfin cette promenade à Vichy qui me l'a fait comprendre, je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mais je ne vais pas l'expliquer en détail. Et enfin, j'aimerais bien publier vos commentaires qui en valent la peine. Et en rectifiant les fautes de frappe, évidemment, hein, je ne ferai pas texto. Et si vous connaissez la manière sur YouTube de faire un copier-coller de tous les commentaires et de les mettre sur une clé ou sur l'ordinateur, prévenez-moi, je suis preneur de l'information. Voilà. Merci à un de mes contacts sur YouTube qui m'a expliqué ce qu'était la langue des oiseaux. Je ne savais pas ce que c'était. Et effectivement, bon, voilà. Merci à tout le monde, en tout cas, pour les commentaires. Et je voudrais vraiment les exploiter. Je vous dis à bientôt. Et pour une prochaine vidéo un peu différente et peut-être plus tardive, puisque je serai moins... Enfin, je serai spontanée toujours, hein, mais peut-être me vaudra-t-il mieux la structurer. Voilà. À bientôt. Au revoir.